Drive le Mag. Drive le Mag. Le 17 novembre, c'est la journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Dans le monde, le dernier bilan global date de 2016. Cette année-là, 1 350 000 personnes ont perdu la vie sur les routes, mais avec de fortes nuances selon les continents. Le taux de mortalité le plus important était pour l'Afrique, avec 26,6 tués pour 100 000 habitants, suivi par l'Asie du Sud-Est avec 20,7. Deux zones du globe en hausse suivent la Méditerranée orientale avec un taux de 18 pour 100 000. Les autres régions du globe ont connu une baisse entre 2013 et 2016, que ce soit le Pacifique avec 16,9, les Amériques avec 15,6, l'Europe ayant le taux le plus bas avec 9,3 tués pour 100 000 habitants. Cette journée mondiale du souvenir des victimes de la route en France, c'est aussi un rendez-vous organisé par l'association Victimes et Citoyens, dimanche 17 novembre de 11h à 17h, place Joffre, à Paris, à deux pas de la Tour Eiffel. Un lieu pour se recueillir, mais aussi pour prendre conscience.